tu étais un personnage de Disney, lequel tu serais? Oui, oui. Non, ma gueule. Oui, oui, mais c'est pas Disney, ça. Jamais. Oh. Mais non, c'est pas Disney. Bonjour les petits copains. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Alors Sindel, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Dis-nous un petit peu. Ben, tout le monde fait une vidéo. D'accord, donc on va faire une vidéo, ok. Et il y aura quoi dans cette vidéo? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo quoi? Un vlog? Une vidéo tag. Oui, tag, c'est bien. Alors, pour petite information... Pendant les répétitions de l'intro, hein, une petite répétition, parce qu'il faut que Sindel sache de quoi on va parler quand même, elle nous a dit de tout, du hashtag, du hashtag, du tag, de tout, mais t'as jamais dit tag, et là tu dis tag, donc c'est très bien. Ok, alors à quoi ça consiste le tag? C'est-à-dire un exemple? Ouais, donne-nous un exemple, c'est quoi? En fait c'est quoi le tag? Qu'est-ce qu'on fait dans les vidéos tag? C'est dur d'expliquer toute seule, donc on va apprendre avec. Alors passe-moi une question. Voilà, dis-le que tu veux ta mère auprès de toi. Maman, oui, c'est vrai, mais là, c'est ma vidéo, là. Oui, bon. Bah, d'accord, ok, ça va. C'est ta vidéo. Alors, la vidéo tag, ça consiste à poser des questions, d'accord? Oui. Si tu étais un objet, qu'est-ce que tu serais? Voilà. C'est si tu étais quelque chose, qu'est-ce que tu serais? Donc, c'est ce qu'on va faire. Un outil. Donc, du coup, maintenant que tu as compris, c'est parti. On commence la vidéo tag. Non, mais maman, fais ta rien. Bah. Je vais derrière la caméra. Je suis pas loin. Mais c'est bon, vas-y. Ça va. Oh, c'est pas possible. Donc c'est bon? Oui. On y va? Ok, je t'ai posé la question. Alors, première question, si tu étais un réseau social? Internet. Internet. D'accord, donc dans Internet, il y a plusieurs réseaux sociaux. Google Maps. Bon, non mais ça c'est pas un réseau social Sindel, c'est mal parti là. les réseaux sociaux c'est Facebook, c'est hashtag, c'est... Hashtag, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, c'est Snap. Snapchat. Oh, tu m'as fait perdre le mot, je sais plus. Snapchat, voilà, Snapchat. Ouais, c'est vrai que t'es beaucoup sur Snapchat toi chez papa. Ouais, j'adore ça. Donc on est sur du Snapchat. Bon, maintenant, si tu étais un youtubeur ou une youtubeuse, un grand youtubeur ou une grande youtubeuse. C'est-à-dire? Ben, les grands youtubeurs et youtubeuses. Un youtubeur? Ouais, tu peux, celui que tu veux. Si j'étais une fille, je serais Déborah. Déborah? Oui. Ou Déborah? Donna, Déborah. Ah oui, Déborah, oui d'accord, je connais. Et si je serais un garçon, je serais Furious Jumper. Furious Jumper, d'accord. Ok, si tu étais un objet, tu serais qui? Tu serais quoi, pardon? Je répète les mêmes bêtises que ma Helena Aquarius, parce que c'est elle qui m'a... c'est sur elle que je copie les questions, je vais y arriver. Une lampe. Une lampe comme... Une quoi? Articule bien. Une lampe. Une lampe? Une torche. Une torche. Une lampe torche, d'accord. Ok, bon, ben pourquoi pas. Un truc comme ça avec la flamme au bout, comme ça. Ah, une torche, une flamme torche, là, une... D'accord. Oui. Ok. Ok, si tu aimais une musique, tu serais quelle musique? Là, je te le dis direct, on écrit sur les murs. D'accord. The Kid United, c'est ça? Ah, c'est dur à dire. Ah ouais, c'est dur à dire. Si tu avais un super pouvoir, lequel ce serait? Voler. Voler. Ouais, c'est pas mal ça, voler. Oh, ce serait cool ça. Si tu étais une couleur, qu'est-ce que tu serais? Violet. Violet, ouais, j'en étais sûre que t'allais répondre ça. Vraiment, c'est... ouais, toujours le violet avec toi. Ou le rose, ou le mauve. Alors, si tu étais un plat, tu serais quoi? La tarte aux fraises. La tarte aux fraises. T'as eu un petit moment d'hésitation, hein. Si tu étais une boisson, qu'est-ce que tu serais? Coca. Coca, on va venir à Mastragram, pique, collégram. Bourré, bourré, ratatam, Amstramgram. J'ai fait Fanta. Fanta, d'accord. Si tu étais un sirop, tu serais quoi? Un sirop, un médicament?
Mais non, un sirop qu'on mélange dans le... Non, qu'est-ce que tu vas chercher un médicament, toi? Un sirop à la menthe. La menthe. Espèce de folle, va. Quel est ton smiley préféré? Ton emoji? Celui avec... bien sûr, bien évidemment, avec la tête jaune, mais avec les yeux en cœur. Celui avec les yeux en cœur. Ça veut dire qu'il est amoureux, il y croit pas ses yeux. Si tu étais une odeur, tu serais quoi? Le caca de chien! Vas-y, ensuite. L'odeur de la fraise. On n'a pas entendu, je crois qu'ils n'ont pas entendu. L'odeur de la fraise. Ah, c'est peut-être mieux l'odeur de la fraise que le caca de chien, effectivement. Allez, on passe au suivant. Tu étais un goût que tu aimes, une saveur, un goût quoi. Un bout de salade. Un goût de salade? Un goût. Bah non, c'est si tu étais un goût. Ah. Si tu étais un goût que tu aimes, ce serait quoi? Le jus d'orange. Le goût du jus d'orange. Je suis béni comme le roi du jus d'orange. Donc le goût de l'orange, quoi. Oui. Ok. Si tu étais un parc d'attractions, tu serais quoi? Ouais. Alors? Disney. Ouais. Disney, ouais. Ça va faire un an qu'on y est allé, hein. Ça fait longtemps déjà, il faut qu'on y retourne. J'adore Disney. Ouais, c'est trop beau, il faudra qu'on y retourne. Et même qu'on va faire une vidéo à... Où ça? À Disney? Ah oui, mais c'est pas maintenant. Hein. Peut-être au mois d'août, mais c'est pas sûr. Je peux leur dire? Bah oui, je peux. Vous savez, on va faire une vidéo à Disney. Bah oui, mais déjà, il y en a beaucoup qui ont fait. J'ai trop hâte. Ouais, mais on sait pas encore, hein. Peut-être au mois d'août ou au mois d'octobre, je sais pas, on verra. Voilà, allez, on passe à la question suivante. Si tu étais un métier, qu'est-ce que tu serais? Un McDo. Tu serais un McDo? Tu travaillerais au McDo? C'est ça? D'accord, ok. Je serais un McDo. Je ferais le menu. D'accord. Si tu étais un pays, tu serais lequel? L'Angleterre. On continue. Si tu étais un dessert, tu serais quoi? Je serais le yaourt aux Smarties. Tu serais le yaourt aux Smarties? C'est ça ton dessert? Ouais. Ok. Si tu étais un chiffre, tu serais lequel? 7. Le combien? 7. Parce qu'on n'a pas entendu, il y a beaucoup de bruit derrière. Alors si tu... 7, 7, 7. Si tu étais un chiffre, tu serais le 7. D'accord. Alors ça me fait plaisir parce que le 7, c'est ma date de naissance. C'est vrai? Ouais. Si tu étais un jour de la semaine, tu serais lequel? Mercredi. Le mercredi? Pourquoi le mercredi? Comme la petite fille de famille Adams. Comme mercredi. La petite fille de la famille Adams, d'accord. Moi, c'est le premier qui m'a fini. Pourquoi pas? Bon, c'est bien ou c'est le mercredi? Ok. Lucien, et tout de suite. Tu serais quelle saison si tu étais une saison? L'automne. L'automne? Oui. Ah ouais? Moi j'aurais dit que tu dirais l'été. D'accord, l'automne, je prends. Si tu étais une ville, qu'est-ce que tu serais? Brest. Ouais, bof, d'accord, c'est plus vieux, non, c'est gris. Paris. Ouais, là c'est pollué. Moi je descendrais encore plus bas et j'irais à Toulon et je serais Toulon. C'est là où on passait les vacances. Paris, c'est là où elle habite, ma cousine. Oui, il y en a une qui habite à Paris, il y en a une qui habite en Alsace, il y en a une qui habite à Toulon, elles sont un peu disséminées dans toute la France. Ok, bon, ben on prend, hein. Okay. T'as un peu plein de monde. Si tu étais un mois de l'année. Janvier. On comprend pas. Janvier. D'accord, janvier, je prends. Si tu étais un jeu. Ce serait lequel? Les échecs. T'aimes bien ça? Bon, ok. Ça, c'est un jeu d'intello, ça. Si tu étais une console de jeu, ce serait laquelle? PS4. La PS4. Non, la DS. La DS, ouais, c'est plus toi, la DS. Ok. Un vêtement. Qu'est-ce que tu serais? Une culotte. N'importe quoi. Je le voyais arriver, celui-là. Une culotte. Bon, ouais, d'accord. Non, tu changes. Une culotte. Est-ce que tu vas aussi dire un ensemble? Oui, tu peux. Un ensemble. Un joli tricot avec les manches comme ça. Ouais. Un peu en flair comme ça. Bon, on t'a pas demandé de faire un top modèle là. Dis-nous ce que tu mettrais, ce que tu serais. Une jupe. D'accord. Une jupe bleue, paillée,
bleuté, bleu très foncé marine D'accord. et le tricot rose. D'accord. Alors, dernière question. Si tu étais un personnage de Disney, Mickey. tu serais qui? Mickey. Mickey alors? Tu choisis Mickey? Oui. Bon, ok. Je pensais que tu allais dire une princesse, non? Non. La vidéo est terminée. Maintenant, on va taguer les autres copains. D'accord. Alors du coup, on va taguer alors Jocelyn, Gière, Fée, Lena Taforo et le monde de Cookie. Et Mais non, pas Docteur la Peluche. N'importe quoi. Non, c'est tout. Quatre personnes, c'est bien. Donc voilà. Voilà. Pour nous, c'est fini. Le tag est terminé. On espère que bah, il vous aura plu, hein, quand même. Ouais. Tu crois? Bon, on verra bien. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans pas très longtemps, on va vous faire une vidéo sur la couleur de cheveux d'Enola, comment elle s'y prend, avec quel produit. On va aussi tester un produit, donc ne la ratez pas. Je ne dis pas que c'est la prochaine, mais dans quelques semaines. Voilà. Donc moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je laisse Sindel vous dire au revoir. À bientôt! Allez, fais ton petit délire. Surtout, n'oubliez pas, lâchez des pouces. Et aussi, n'oubliez pas, lâchez des commentaires. Et pour le dernier, là j'ai des pouces bleus, Bah, non, tu viens de le dire. café, et abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Mais oui, bien sûr. Ça nous fera très plaisir et on vous rendra, bien sûr. En attendant, on vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt. Gros bisous, très bientôt.